profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Juste pour dire au revoir. Le premier jour, une demi-douzaine d'entre eux ont été découverts dans le monde entier. Des visages humains parfaitement sculptés, émergeant de falaises et d'affleurements rocheux. À l'époque, cela ne faisait pas plus que la une des journaux locaux. La rumeur veut qu'un groupe anonyme d'artistes soit à l'origine des découvertes, une sorte de déclaration politique. Le deuxième jour, ils en ont trouvé plusieurs centaines d'autres. Certains apparaissaient jusqu'à 6000 mètres d'altitude, trouvés par des alpinistes chevronnés lors d'une expédition. Un alpiniste a expliqué plus tard qu'il avait touché l'un des visages à main nue et qu'il était chaud comme la peau d'une personne. Le troisième et le quatrième jour, les visages se comptaient par milliers. Les équipes de journalistes font des allers-retours entre les nouveaux groupes et les experts du monde entier sont déconcertés par la nature apparemment inexplicable des visages. Le cinquième jour, une jeune femme de Saint-Pétersbourg, en Russie, est devenue le premier cas documenté de ce que l'on appelle aujourd'hui le trouble compulsif induit par les images, TCCI. Elle a ensuite déclaré aux journalistes qu'elle avait réservé un vol pour la Suisse le soir même, après avoir repéré le visage de sa sœur, disparue au pied du Cervin. Le sixième jour, les aéroports du monde entier sont pris d'assaut par des centaines de milliers de personnes souffrant de TCI, cherchant désespérément un moyen d'accéder au visage. Le septième jour, la célèbre interview de Katerina Alexas est diffusée et devient, en quelques heures, le reportage le plus regardé de tous les temps. La journaliste de CNN, Gina Marcon, a trouvé Madame Alexas à genoux près du groupe de visages apparaissant dans le parc d'État de Devil's Lake, dans le Wisconsin. « Madame, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes ici ?» demande Marcon. Madame Alexas montre le visage d'un enfant dans la formation rocheuse rugueuse. « À cause d'elle, » dit-elle. « À cause de ma fille. » « Et comment l'avez-vous trouvée ?» demande Marcon. Madame Alexas regarde la caméra. Des larmes coulent sur son visage. « Je l'ai su, c'est tout. » « Comment l'avez-vous su ?» Madame Alexas renifle et tourne à nouveau son regard vers le visage. « Parce qu'elle est avec les autres et qu'ils ne font plus qu'une seule voix. Et ils disent tous la même chose. »« Qu'est-ce qu'ils disent exactement ?»« Au revoir. » Le huitième jour a apporté l'illumination. Un lien est établi entre tous les visages identifiés. Ils étaient tous jeunes, tous purs et innocents. Les plus doux d'entre nous. Les gentils, les adorables, les taciturnes, et ils ont tous disparu de chez eux sans laisser de traces. Certains il y a de nombreuses années, certains le même jour. Le neuvième jour était celui de l'Apocalypse, le jour où les scientifiques ont découvert que notre Terre était en train de mourir. L'effondrement massif et soudain de tous les écosystèmes. Nous savions alors que tout était fini. Ce n'était plus qu'une question de temps. Le dixième jour, les visages ont disparu, nous laissant seuls et bientôt éteints. Nous ne saurons jamais ce qui s'est réellement passé. Où ils sont vraiment allés? Avec qui ils sont partis? Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont revenus parmi nous pour un très court instant. Juste pour nous dire au revoir. Le dixième jour, les visages ont disparu, nous laissant seuls et bientôt éteints. Nous ne saurons jamais ce qui s'est réellement passé. Où ils sont vraiment allés? Avec qui ils sont partis? Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont revenus parmi nous pour un très court instant, juste pour nous dire au revoir.